Sept siècles que la Terre est plongée dans l'ignorance. Sept siècles que les immortels ont juré de rendre aux hommes la connaissance et la liberté. Tous ont fait ce serment, tous, sauf un, qui règne seul en tyran. Mais bientôt, un immortel se dressera contre lui. Il s'appelle Quentin MacLeod. C'est le Highlander. Suffisamment. Alors Arak doit en trouver d'autres, peu importe où. Envoyez-le dans les Highlands. Puissance éternelle sur Cortan. Terrain de chasse aujourd'hui, Seigneur Arak. Les Highlands, mûrs. Les Highlands? Mais, Seigneur, c'est là que les Dundees... Silence! Ce sont les ordres de Cortan. Puissance éternelle sur Cortan. Puissance éternelle sur Cortan. Dis, Quentin, tu me fabriques un moulin? Un moulin? Avec quoi? Il n'y a pas le moindre bout de bois ici. Bien sûr que si. Regarde, il y a un arbusier là-haut. Tu le vois bien. Mais t'es peut-être trop grand pour grimper si haut. Moi, peur? Arrête de plaisanter. J'ai escaladé des sommets bien plus durs que ça, petite sœur. Redescends, Quentin! C'est trop haut! Ça ne t'arrive jamais d'avoir peur? Jamais. Même pas des hunters ou de Cortan? Pourquoi aurais-je peur? Je suis très fort, petite sœur. Oh, ce que t'es vénard. Je parie que tu ne fais même pas de cauchemars comme moi. Ça m'arrive parfois. Un rêve terrible. Toujours le même. Et c'est quelque chose qui s'est vraiment passé avant que je n'en rêve. Je ne comprends pas. Raconte-moi. J'avais 7 ans. C'est arrivé ici, dans les Highlands. Gol et toi, vous étiez encore des bébés. Vous veniez de naître. Viens, Gol! Connais-tu ton nom, mon enfant? Deuxième tentative, je répète. Connais-tu ton nom, mon enfant? Tu as quand même bien un nom. Alors, ton père du temps. Bah, dis-le-moi, tu veux bien? Quentin. Quentin des Highlands, monsieur. Quentin des Highlands, dis-tu. C'est tout, rien d'autre? Du clan des Dundees, monsieur. Nous y voilà. Quentin le Dundee. Je reviendrai, mon garçon. Si ce n'est pour toi, ce sera pour un autre. J'ai tout mon temps. Mais c'est pas du tout un rêve qui fait peur. Pour moi, si. Cet homme risque de revenir me chercher. Chargez! Les Hunters!
cachez-vous dans la caverne derrière la cascade et restez-y quoi qu'il arrive. Maman! Maman! Oh! Ah! Vite, mère, il faut qu'on s'enfuit dans les montagnes. Non, Quentin. Il ne faut pas s'enfuir. Mais mère, ils arrivent! Tu dois leur faire face, Quentin MacLeod. MacLeod? Pourquoi m'appelles-tu comme ça? Parce que c'est ton véritable nom. Ton heure est venue, mon fils. Obéis à ta mère, mon garçon. Viens te battre. Si tu l'oses, débarrassez-vous de cette femme. Moi, je vais m'occuper de ce redoutable combattant. Ah non! Lâchez-la, non! Assassin! Il y a du progrès, petit. Mais tu commences à m'ennuyer. La leçon est terminée, mon garçon. Pourquoi m'a-t-elle appelé MacLeod? Non! Enfin. Cela fait 700 ans que j'attends ce moment. Allez, c'est tout de même très long, j'ose le dire. Tu as gagné, mon fils. L'heure de ton destin a sonné. Je suis vivant. Il me reste très peu de temps, Quentin. Alors écoute attentivement. Mère! Silence! Tu es le Highlander, Quentin. L'immortel attendu depuis 7 siècles. Je t'ai aimé comme mon propre fils, mais tu n'es pas un Dundee. Tu es le dernier des MacLeod. L'étranger va revenir te chercher. Il faut que tu le suives, Quentin. Va maintenant. Va et assume ton destin. Et aussi, protège les Dundees de Cortan. Et je t'en supplie, n'oublie pas de prendre soin de ta petite sœur. Connais-tu ton nom, mon enfant? Je suis Quentin MacLeod. Et je ne suis pas un enfant. Ah bon? Et dis-moi, qu'as-tu l'intention de faire avec ça, MacLeod? Libérez les Dundees. Écartez-vous de mon chemin. Alors, si ton intention est de te battre, bats-toi comme un Highlander. Oh, Highlander. Vous m'avez appelé, monseigneur. Quoi? Ah, c'est toi, Malone. Prépare mon armure. Votre armure? Mais enfin, je... Silence! Fais ton devoir! À vos ordres, Seigneur Quentin. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que mon frère vous suivrait? Surtout que vous êtes du mauvais côté de l'épée, étranger. L'étranger? Moi? Je vous en prie. Je suis Don Vicente Moreno Ramirez, grand Espagne. Et puisque tu sembles impatient de prendre ta première leçon, commençons tout de suite. Hey. Ouvre la porte. Ma tâche est de faire de toi un Highlander. Pardon? Et mon enfant, c'est exactement ce que je vais faire. Ah, ah, je ne suis pas un enfant! Je suis Quentin MacLeod! Oh! Ah,
Bien, c'est déjà mieux. Vois-tu, c'est précisément parce que tu es Quentin MacLeod que tu es destiné à affronter Cortan. Affronter Cortan ? Moi ? Depuis le temps que je suis à votre service, ceci est la première fois que l'honneur m'est offert de vous armer, monseigneur. On dit que plusieurs siècles se sont écoulés depuis qu'on vous ait vu en armure, monseigneur. Je plains l'homme qui aura l'audace de vous affronter, mon pauvre... Ce ne sont pas des hommes, pauvres idiots. Ce sont des Jettators. Des Jettators? Je suis censé rencontrer des Jettators. Ça suffit, étranger. Les Jettators, ce sont les immortels qui ont juré de renoncer à l'épée pour aider les hommes à renverser la tyrannie de Cortan. Il y a 7 siècles, après la grande catastrophe, tous les immortels se rassemblèrent sur la colline des serments. En renonçant à nos armes, nous devînmes tous des Jettators. Tous. Sauf un. Je refuse de prêter ce serment ridicule. Et puisque personne ne veut se battre avec moi, je me déclare aujourd'hui dernier des immortels, et j'en réclame le prix, la connaissance suprême et la puissance absolue. Tu n'as pas le droit, Cortan. Tu n'es pas le dernier. Les pauvres Jettators, piégés par leur propre serment. C'est ce que je pensais jusqu'à aujourd'hui. Dans 10 ans, ou peut-être dans 10 siècles, Cortan, un autre immortel viendra pour te défier. Un immortel qui ne sera pas tenu par le serment auquel nous venons de nous soumettre. Et ce jour-là, Cortan, tu sauras que ta fin est arrivée. Et c'est toi le Highlander, Quentin MacLeod. Ton destin est d'affronter Cortan. Et pour cela, tu dois être préparé. Viens, maintenant, chaque minute compte. Viens, Clyde. Un moment, elle ne vient pas avec nous. Je n'irai nulle part sans elle. Et j'ai autre chose à vous dire, Don Ramirez, ou je ne sais pas trop quoi. J'ai juré à ma mère de libérer les Dundees. Et j'ai l'intention d'être fidèle à ma parole. Aurais-tu perdu la tête ? Ils sont à Mogunda. Alors c'est là que j'irai et je les libérerai. Et pourquoi ne pas provoquer Cortan en duel pendant que tu y es? Et pourquoi pas? C'est un immortel, oui ou non? À quoi ça sert d'être immortel s'il ne peut pas aider les gens qu'il aime? Il ne faut pas oublier Cortan. Comment ton frère va-t-il régler cette question? Aucun problème pour moi. Je m'arrangerai pour l'éviter. Cela va faire 3000 ans, Ramirez. 3000 ans que tu as réussi à te préserver des enfants. Les enfants. Suivez-moi. Mogunda, c'est par là. Bah, c'est quoi cet endroit? Les bidonvilles de Mogunda. C'est ici que nous trouverons Mangus le Jettator. Ça fait longtemps que c'est comme ça? Il y a 7 siècles de cela, Cortan a volé ses plans et s'en servit pour construire Mogunda. Oh, Cortan, qu'est-ce qu'il y a? Oh, je ressens quelque chose. C'est étrange. Moi aussi, je le ressens, MacLeod. C'est la présence d'un autre immortel. Tu t'y habitueras. C'est peut-être bien Mangus. Ou Cortan. Mangus, c'est lui le Highlander. Tu es devenu fou, Ramirez. Pourquoi l'as-tu amené à combattre si tôt? Nous n'avons pas attendu 7 siècles pour le perdre en un éclair. C'est de la folie. Il n'est pas prêt, ce n'est qu'un enfant. Nous ne sommes pas venus combattre Cortan, Mangus. Nous sommes venus pour les Dundees. Les Hunters les ont capturés ce matin. Ce matin, dites-vous? Cela veut dire qu'ils ne sont pas encore dans le complexe énergétique. Vous voulez dire qu'on peut les libérer? Pas du tout, jeune homme. Ce que veut dire Igor, c'est qu'il se trouve encore dans le centre de tri. Peux-tu nous y emmener, Mangus? Ton cerveau se serait-il ramolli avec les années, Ramirez? Je ne dois pénétrer dans la ville que pour affronter Cortan, mais je peux vous indiquer le passage par les égouts. Le Highlander, il est déjà là.
Excellent. Je vais le vaincre avant qu'il n'ait reçu la connaissance. Très intelligent, mon très cher seigneur. Beaucoup plus facile comme ça, admirable. Plus un mot, Malone. Oui, tu meurs de peur, Cortane. Rien ne peut arrêter ce broyeur, mais toutes les 4 secondes, quand les lames sont face à face, en faisant très vite, on peut passer de l'autre côté, sans obligatoirement se faire décapiter. Mais Gon n'y arrivera jamais, le pauvre. Et toi non plus, Clyde. Tu vas rester ici. Quoi? Et pourquoi? Tu ne discutes pas. C'est tout. Tu restes ici avec Mangus. Maintenant! Allez, Ramirez. Prends garde, MacLeod. Un accident serait fatal. Même pour nous. Allez. Bien joué, MacLeod. Quentin! Ne t'inquiète pas, petite sœur. Je vais revenir. Hé! Prenez soin de Gon! Petite peste. Le centre de tri des esclaves est là-bas. C'est là que vos amis sont enfermés. Il va falloir faire vite. Les Hunters! Alerte! Alerte! Joli coup, MacLeod. Et c'est rien du tout. Puissance éternelle sur Cortane. Surveillez-les attentivement. Ils sont dangereux. Vous faites pas d'illusions, les Dundies. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Non, mais vous... Qui êtes-vous? Un miracle. Oh, ouvrez la grille! Quentin! Tu es vivant! Suivez Igor. Il vous conduira dehors. Ne bougez plus! Voyons ce que tu as, Free Islander. Clyde! Ouais. Tu pourrais me remercier, non? Fichons le camp avant que d'autres hunters n'arrivent. Alors, c'est ça le terrible MacLeod? Ne bouge plus, mon enfant. Je ne suis pas un enfant. Bien sûr que non. Tu es le Highlander. Alors viens te battre comme un Highlander. Ne... Non, pas encore. Tu te rappelles ceci, Cortane? Elle a bien failli t'arracher la tête il y a 20 siècles bientôt. Tu oublies ton serment, Ramirez. Laisse-nous, MacLeod, et reviens me venger quand tu seras prêt. Si l'un de nous doit mourir, c'est moi. Angus, ne te mêle pas de ça, vieil idiot. Allez-vous-en d'ici, Ramirez. Je ne pourrai pas tenir très longtemps. Il n'y a pas le choix. Nous devons obéir. Mais il n'a aucune chance. Mangus sait très bien ce qu'il fait. Que va-t-il lui arriver? Il mourra. Et sa connaissance de l'architecture et des passages secrets de Mogunda reviendra à Cortane. Thank you.
libre. Ça, c'est grâce à toi. Mais j'aurais pu en apprendre tellement de Mangus. Il t'a donné la leçon la plus importante de toute MacLeod. Garde cette vérité dans ton cœur. Si tu crois à quelque chose, tu dois y croire jusqu'au bout. En route, Highlander. Ton aventure ne fait que commencer.